Salut à tous les curieux. Alors aujourd'hui au programme, l'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage et quels sont ses bienfaits? Et puis bien sûr, comme chaque semaine, les énergies pour vos 12 signes astrologiques. Vous êtes bien ici dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs de Radioactive, chers curieux. Je vous souhaite la bienvenue ici, je suis ravie de vous retrouver, comme chaque semaine, comme tous les lundis à 11h30 et 15h30 sur notre belle antenne de Radioactive, sur le 101.9 pour les locaux bien sûr, et puis sur le www.radio-active.com pour les gens qui nous écoutent en streaming, et puis enfin sur la chaîne YouTube, le curieux cabinet de Mimix sur YouTube, donc je vous le répète. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être là. Alors aujourd'hui, quels vont être les thèmes, les sujets du jour? Eh bien, c'est l'ancrage, le sujet du jour. Et nous allons aller voir quels sont les bienfaits de l'ancrage, comment le pratiquer et bien sûr, ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Et puis en deuxième partie d'émission, comme chaque semaine, je vous délivre les énergies, tout ça signe par signe, à l'aide de mes tarots, à l'aide de mes oracles, pour vous aider à cheminer, avancer ou passer la meilleure des semaines possible. Bien sûr, vous gardez du recul, ce sont des tirages d'ordre général qui ne peuvent parler à tout le monde. Allez, c'est parti, on y va et on va commencer avec l'ancrage. Alors, qu'est-ce que l'ancrage? L'ancrage, c'est une technique plutôt puissante qui aide les gens à devenir plus présents, plus calmes et plus concentrés. Donc, elle implique l'utilisation de sensations ou d'actions physiques pour s'ancrer dans le moment présent, ce qui permet en fait d'atténuer le stress et l'anxiété. Donc, l'ancrage est souvent utilisé depuis des siècles par les praticiens de diverses traditions spirituelles et de pleine conscience. Alors, il est devenu de plus en plus populaire ces dernières années en tant que moyen d'améliorer le bien-être mental et émotionnel sans plus finalement aucune connotation. On peut faire de l'ancrage sans avoir une religion, une spiritualité particulière. Donc c'est une technique de méditation et de relaxation qui permet de se connecter à l'instant présent, de se libérer du stress, de l'anxiété, de revenir à soi. Et l'objectif principal de cette pratique est de créer un ancrage solide pour connecter à notre intérieur et à la réalité extérieure. Donc un ancrage solide est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel et physique. Et en effet, il permet de mieux gérer les émotions et de prendre du recul face aux situations difficiles. Donc ça va réduire le stress, apaiser l'anxiété, je vous le disais, améliorer l'attention et la concentration, stabiliser l'humeur et regagner un état de bien-être, cultiver la pleine conscience et la connaissance de soi, de toute façon, va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de vos pensées, de vos sentiments et de vos sensations physiques, et vous permettre également d'avoir plus de clarté et de compassion aussi envers vous-même. Voilà. Alors, il a été vraiment démontré que cette pratique présente de nombreux avantages physiques, notamment la sensation de relaxation, la réduction du rythme cardiaque et la pression artérielle et l'amélioration de votre self-control. Voilà. Alors, des signes d'un manque d'ancrage, ça va être très simple. Vous avez un sentiment de stress, d'anxiété régulier, des difficultés à vous concentrer. On a tendance à la procrastination, remettre au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. L'épuisement émotionnel et puis aussi un sentiment de déconnexion de soi-même ou bien des autres, de votre entourage, voire même de votre environnement. Donc, alors, quelles sont ces différentes techniques d'ancrage? Il en existe beaucoup, d'accord? Il existe vraiment de nombreuses techniques qui viennent de différentes pratiques. Alors, certaines sont purement mentales, comme la visualisation ou la méditation. D'autres sont physiques et mentales, comme la respiration et les gestes. Et enfin, d'autres intègrent des objets, des sons ou des odorats. Alors, moi, je vais vous expliquer ici vraiment des moyens de vous ancrer les plus simples possibles et qui ne vous demandent pas forcément d'avoir des outils supplémentaires. Alors, première chose ici, c'est se connecter, bien sûr, à la nature. Passer du temps en pleine nature, marcher dans la nature, respirer, faire des promenades en forêt, des pique-niques dans les parcs, des randonnées dans les montagnes, aller à la mer, faire des bains de mer, bref. Connectez-vous à la nature. Bien sûr, si vous pouvez faire vos marches pieds nus, alors là, on est au top du top, quoi. Mais vraiment, ça, c'est déjà un super moyen de vous reconnecter. D'ailleurs, vous avez tous eu cette sensation de rentrer d'une balade en forêt ou de la plage et de vous sentir extrêmement apaisé et bien dans votre peau.
Ça, c'est radical. Se concentrer alors sur la respiration est une autre technique d'ancrage. Alors là, on fait de la respiration profonde, lente, régulière, vraiment pour retrouver cet équilibre émotionnel, pratiquer la méditation, être attentif aux sensations aussi corporelles, exercer une activité physique régulière aussi peut vous ancrer. Et alors, parmi les méthodes de visualisation, il y en a un que je conseille vivement et qui est très, très, très intéressant et qui fonctionne très rapidement, c'est vous vous imaginez un énorme arbre qui est ouvert et dans lequel vous pouvez rentrer et vous allez tout simplement vous positionner au milieu de cet arbre en visualisation bien sûr et vous allez voir tous les bienfaits que ça va vous apporter, vous allez ressentir une espèce d'enveloppement et de vous sentir dans cet arbre va vous réancrer. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur l'ancrage, on va cesser ici parce qu'on est déjà à 6 minutes et puis on va partir sur les énergies de votre semaine, mais vraiment l'ancrage est nécessaire pour retrouver un calme et une paix intérieure. Et peu importe vos convictions, vos actions, enfin peu importe en fait ce que vous faites, ça c'est vraiment, ça sert à tout le monde, hein, et c'est vraiment pour tout le monde. Voilà chers amis, allez on va y aller directement maintenant et on va aller voir vos énergies pour la semaine qui arrive. Et comme chaque semaine bien sûr, nous commençons avec les... Béliers. Alors les béliers pour vous cette semaine, alors déjà on va commencer par le domaine général, l'émotion qui domine ici pour vous est la transformation. Il y a une métamorphose pour vous qui est en cours, donc voilà, ça bouge, il y a des événements qui vous chamboulent un peu. Là on vous parle justement de passer à l'action, vous êtes dans une énergie d'action ici vis-à-vis d'ennemis qui se trouvent autour de vous cette semaine les béliers. Dans le domaine professionnel, attention, bah ici c'est un petit peu la même chose. Vous avez peut-être ici de la diffamation à votre propos, de la traîtrise, des mensonges ou des mauvais conseillers, voire de la manipulation vis-à-vis d'ennemis ou de personnes qui ne sont pas de votre côté ici, au niveau du travail, et vous allez peut-être être même obligé de rester chez vous à cause de ces raisons-là. Alors, dans le domaine sentimental, j'ai divisé en deux pour les personnes qui ont un crush ou qui sont célibataires ici. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez le passé et le futur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne de votre passé qu'il faudrait regarder d'un peu plus près, qui pourrait revenir dans votre vie et qui vous accompagnera dans votre futur? Et puis pour les personnes qui sont en couple, officiellement en couple, alors attention, 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 il y a de la trahison dans l'air, il y a du mensonge dans l'air, peut-être que certains d'entre vous ou votre partenaire peut avoir une relation plutôt attractive et une relation envoûtante avec quelqu'un d'autre. Le message pour vous ici, c'est le poteau, la communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter et à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Taureau. Alors les taureaux pour vous cette semaine. Alors déjà l'émotion dominante, c'est le rejet ou l'exclusion ici. Donc ça à vous de travailler sur cette émotion. D'ailleurs justement, alors qu'est-ce qu'on voit ici pour vous? On voit que vous avez tendance à vous isoler. Il y a peut-être des épreuves de la vie là qui vous arrivent actuellement. Du coup ça bloque un peu votre créativité les taureaux cette semaine. Dans le domaine professionnel, ici, bah, c'est pareil. Hein. Alors, vous vous reposez, vous essayez de vous apaiser, d'être plus au calme, d'alimenter un peu votre paix. Mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et vous avez besoin un peu soit de vous isoler ou en tout cas, vous ne trouvez pas l'harmonie au sein de votre travail. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas non plus au sein du travail, les taureaux. Je suis désolée. Alors, pour les crushs, pour les taureaux qui ont un petit crush en tête ou ceux qui sont célibataires ici, eh bien, on vous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, mais qui est relativement timide et qui n'ose pas vous le dire. Ouvrez les yeux. Puis, les personnes qui sont... Alors, les personnes qui sont en couple, alors là, c'est un peu comme tout à l'heure. On a deux cartes opposées. On a la fidélité et l'infidélité. Donc, êtes-vous... au milieu d'un choix, allez-vous craquer pour quelqu'un d'autre ou pas? Seul vous le savez. Et puis ici, la campagne, le message pour vous, c'est la campagne, la tranquillité. Hein. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. On vous invite à beaucoup de paix les taureaux hein, cette semaine. Ne passez pas forcément à l'action. Retrouvez-vous intérieurement. Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour vous, alors l'émotion dominante, c'est la soumission ou la domination.
Que se passe-t-il? Alors justement, dans vos énergies générales, on vous dit qu'il y a un échec imprévu, un retard ou des petits accidents là qui arrivent. Voyez, on vous freine. Et justement, on vous dit que c'est guidé. Il n'y a pas de hasard. Sachez une chose, c'est que parfois dans la vie, justement, vous avez des petits retards, on vous bloque. Voyez, vous n'arrivez pas à avancer. Il y a des choses qui vous arrivent, qui vous tombent dessus. Eh bien, il n'y a pas de hasard. Ces choses vous arrivent peut-être pour vous éviter quelque chose d'autre, ou pour vous remettre sur un chemin bien précis. Alors, dans le domaine professionnel, on peut voir que vous aviez peut-être l'intention ici d'effectuer ou de vous associer, pourquoi pas, avec un ami ou d'accompagner quelqu'un. Oui, voilà. En tout cas, vous associer, travailler à deux, et on voit que eh bien, la situation est stérile, qu'elle n'avance pas, en tout cas pour le moment. Pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont un petit crush, eh bien, on vous dit que vous pourriez avoir une invitation totalement inattendue et que cette histoire est possible. Pour les personnes en couple officiel ici, oulalalala, attention, une belle rencontre pourrait arriver pour certains d'entre vous ici, voir un coup de foudre et une décision, un dilemme pourrait se présenter à vous. Le conseil pour vous, oh, c'est le trèfle avec la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Cancer. Alors les cancers, pour vous, l'émotion dominante est le découragement. Que vous arrive-t-il? Ne lâchez rien, les cancers. Dans l'énergie générale, on vous parle d'un changement ici qui est lié à vos valeurs. À vos valeurs peut-être sentimentales ou vos valeurs émotionnelles ici. Il y a vraiment un changement qui est en train de se créer cette semaine pour vous. Dans le domaine professionnel ici, on vous dit que votre destinée est en marche. Hein, il y a un choix, une décision que vous avez prise qui vous emmène vraiment vers quasiment votre chemin de vie. Où il y a vraiment quelque chose de très positif et qui vous emmène en plus vers une renommée. Donc c'est hyper positif. Bravo les cancers. Pour les personnes qui ont un crush, les cancers, on vous dit que alors il y a une relation qui peut évoluer, qui peut évoluer vraiment. Par contre, attention parce que cette personne vous cache une vérité. Pour les personnes en couple officiel, ici, on voit que vous allez peut-être, voilà, vous allez inviter du monde chez vous, accueillir du monde. Il y a une fête qui se prépare pour les personnes qui sont en couple. Et puis, le message pour vous, c'est l'avion, décollage, prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Lion. Alors, pour vous, les lions, l'émotion dominante est la patience, les lions, pas mal. Alors, justement, vous êtes patient, pourquoi? Parce que vous attendez que, enfin, vous attendez, disons qu'il y a une énergie qui devrait cesser, couper, se transformer ici, vis-à-vis de choses qui sont floues autour de vous. Vous avez peut-être aussi tendance à fuir quelque chose, il va peut-être falloir le regarder en face, les lions, hein, ça c'est général. Dans votre domaine professionnel ici, vous avez besoin aussi de ressourcement, de paix intérieure, de repos, de quiétude. J'ai l'impression que le lien qui vous attache à votre vie professionnelle vous dessert en fait ici. Il y a quelque chose à modifier, à changer justement. C'est pour ça que vous avez les énergies du changement. Alors dans le domaine sentimental, en ce qui concerne les personnes qui ont un petit crush ou qui sont célibataires, la personne que vous avez en tête, cette personne du coup ici que vous avez en tête va plutôt s'éloigner car celle-ci a trop de choses en tête actuellement. Pour les personnes qui sont en couple ici, après une période de souffrance, de tristesse, de peine ici, on voit que vous allez vous retrouver, il va y avoir une belle réconciliation. Et le message pour vous ici, c'est la voiture, des petits déplacements ou du contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Vierge. Alors les vierges pour vous cette semaine, alors attention, accrochez-vous, parce que l'émotion dominante, c'est la haine. Alors attention, parce que la haine, c'est presque de l'amour, d'accord? Alors justement, ici, on voit qu'il y a des blocages, des mauvaises surprises, des effondrements pour vous cette semaine, les vierges. Mais alors, on vous parle de paix, alors bon, c'est très paradoxal, j'ai l'impression que finalement, ces effondrements, ces choses qui vous arrivent ici, sont dans le but de vous faire atteindre peut-être cette paix intérieure. Dans le travail, bon ici, écoutez, c'est pareil, il y a beaucoup de fougue, hein, beaucoup d'ébullition, de force intérieure, peut-être voire de la précipitation. Attention parce que là, il y a des vierges, ça pourrait vous prendre d'un coup comme ça. Allez hop, j'en ai ras-le-bol, je démissionne. C'est tout à fait probable.
Pour les personnes qui ont un crush ou qui sont célibataires, qui ont une personne dans l'esprit ici, on vous dit que cette personne joue au « fuis-moi, je te suis » et en plus, par-dessus le marché, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, cette personne. Pour les personnes qui sont en couple ici, eh bien écoutez, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, d'incertitudes, mais votre relation pourrait finir malheureusement par une séparation, une rupture ou une période de crise. Le message pour vous, c'est le dauphin qui nous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Balance. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, cette semaine, l'insécurité domine. L'insécurité domine, vous ne vous sentez... Vous voyez, alors vous avez besoin d'ancrage pour le coup, parce que quand on se sent dans l'insécurité comme ça, l'ancrage, ça va vraiment apaiser et permettre de voir les choses différemment. Donc ici, il semblerait que vous soyez un peu perdu, il y a de l'obscurité, vous vous sentez égaré. Vous voyez, vous êtes peut-être lunatique ici aussi. Donc, pour le coup, vous avez vraiment besoin d'ancrage. Hein. C'est totalement le genre de sentiment, d'émotion qu'on peut avoir pendant qu'on manque d'ancrage. Alors au niveau du travail ici, on vous parle de courage, de combativité, d'ardeur, vous ne lâchez rien. Et en plus, vous avez la carte bleue, hein, qu'on appelle la carte bleue dans le jeu de l'oracle Béline, qui vous parle de protection et de vous assurer vraiment tout ce qu'il peut y avoir de positif ici. Donc pourquoi pas trouver un emploi pour ceux qui en cherchent un, ou pour remporter aussi des batailles, c'est-à-dire des promotions, ce genre de choses-là, peu importe quoi, en tout cas dans votre domaine professionnel. Dans le domaine sentimental ici, pour ceux qui ont un crush ou qui sont célibataires, écoutez, on voit que vous avez le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui vous a bien brisé le cœur, mais vous prenez encore le risque d'aller vers cette personne. Écoutez, il va falloir peut-être ici songer à voir les choses autrement. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, tout va bien. Tout va bien, c'est la tranquillité, le repos. Vous pensez l'un à l'autre, vous êtes là, vous êtes bien en fait. Vous êtes alignés l'un à l'autre, il n'y a pas de problème. Message pour vous, le voici, c'est la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Scorpion. Alors les scorpions, pour vous cette semaine, eh bien l'émotion dominante est la jalousie. La jalousie, alors qu'est-ce qui va se passer pour vous ici? Alors dans le domaine général, ici on vous montre qu'il y a peut-être un drame ici que vous allez vivre, ou quelque chose un peu de sombre en fait, hein, quand même cette semaine, à voir. Ça fait partie de votre destinée, on vous dit que c'est comme ça, c'est écrit, et rien ne peut y changer en fait à ce qui va arriver ici. Donc ça peut être toutes sortes de choses, peut-être un petit peu triste, hein, je ne vais pas vous le cacher. Dans le domaine professionnel, ici, on parle de transmission, de passation, de connaissances, voyez, d'expérience. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous transmettre toute son expérience au sein de votre entreprise, où il y a du passage de pouvoir, voyez, ce genre d'énergie. Dans votre vie sentimentale, alors pour les personnes qui ont un crush ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, ici, les célibataires par exemple, on vous parle du présent, là. Actuellement, il y a quelqu'un qui manque vraiment de confiance en lui ou en elle. Donc, c'est la personne qui est en face, hein, à laquelle vous pensez ici, qui n'a pas assez confiance en lui ou en elle pour pouvoir, peut-être se déclarer ici. Hein. Pour les personnes en couple, vous avez de nouveau la clé du destin. Waouh, et une belle ouverture, des opportunités ici, une bonne étoile. Allez savoir ce qui va vous arriver, mais pourquoi pas des... On va peut-être avancer sur votre chemin. Pourquoi pas des demandes en mariage, des demandes de Pax, ou en tout cas des engagements véritables. Le message pour vous, c'est la pomme qui nous parle de maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prends soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Sagittaire. Alors les Sagittaires, eh bien écoutez, c'est une belle semaine. En tout cas, vous êtes hyper alignés à votre signe. C'est une semaine où l'émotion dominante est la liberté, un énorme sentiment de liberté ici qui arrive pour vous cette semaine. Justement, on vous parle d'un voyage ici. Je sens vraiment l'idée du voyage ou d'une retraite spirituelle, de quelque chose qui est de toute façon dans lequel vous allez parler une langue étrangère et qui devrait ici arriver dans l'hiver.
Donc si on vous parle de ça cette semaine, c'est que peut-être que déjà vous allez avoir les prémices justement la semaine qui arrive. Alors au niveau du travail ici, alors, bah, écoutez, c'est super, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous avez beaucoup de ressources, des belles collaborations aussi qui peuvent arriver. Ici on voit qu'il y a des belles opportunités, des cadeaux ici qui vont se présenter à vous cette semaine les Sagittaires. Pour les personnes qui sont en crush, qui ont quelqu'un dans leur tête, mais avec qui ce n'est pas officiel, ou les célibataires. Ici, on voit que vous avez envie d'apporter votre aide à une personne. Et j'ai l'impression que cette personne, écoutez, est en demande justement de cette aide. Alors, sans tomber dans le schéma du sauveur hein, et du bourreau, mais bon, si vous avez... envie que cette personne, si vous avez envie d'aider cette personne, eh bien, elle sera ouverte à ça. Pour les personnes en couple, ici, on voit des choses inattendues, des vœux qui sont exaucés, des événements heureux, il y a un renouveau ici, une métamorphose, hein. il y a vraiment des modifications positives qui arrivent là au sein de votre vie de couple. Le message pour vous, ah, le serpent, qui nous parle de malveillance, mais pas que. Il y a toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Bon, ça, on a l'habitude. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Tout à fait, il faut que ça vous passe au-dessus. Capricorne. Alors les Capricornes, vous, dans le domaine général, enfin l'émotion dominante plutôt de votre semaine, c'est l'anticipation. Alors là, vous voyez, vous faites votre petit écureuil, vous mettez des noisettes de côté pour cet hiver. Alors bien sûr, c'est symbolique, hein, à vous de voir dans quel sens cela peut vous toucher. Alors ensuite ici, on voit que les Capricornes, alors qu'est-ce qui se passe cette semaine? Vous avez tendance à abuser. À abuser des bonnes choses, à être dans les excès. On vous dit qu'il va falloir... essayez de faire quelque chose, de passer à l'action ici pour un nouveau commencement plutôt différent hein, et de vous alléger de ces addictions. Hein. Il y en a ici qui ont des addictions, c'est pas la première fois qu'on en parle. Au niveau du travail ici, eh bien, vous allez être reconnu, distinct. Oh là là, il y a de la distinction, de la valeur morale. Vous êtes satisfait, vous êtes même récompensé ici pour le travail que vous effectuez, les Capricornes. Bravo! Dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui ont un petit crush en vue ou qui sont célibataires, alors on voit que la personne qui est en face, que vous manquez à cette personne, effectivement, mais cette personne, elle vous donne des excuses, des fausses excuses, il y a un truc qui va pas, hein, il va falloir regarder ça de plus près. Ou alors peut-être que c'est vous qui donnez des excuses à la personne alors que elle vous manque finalement. Hein. Alors, au niveau des couples ici, eh bien, on vous parle d'un blocage, d'une action limitée qui reviendrait du passé. Il y a quelque chose qui revient du passé et qui vous amène un blocage dans votre vie. Le message pour vous, c'est les Lucioles qui nous parlent de spiritualité. Les Lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. On sent que là, il y a des énergies que vous ne voulez pas accepter autour de vous et des énergies dont il va falloir se libérer et que vous ne voulez pas laisser échapper. Verseau. Alors les Verseaux cette semaine, qu'est-ce qui va dominer pour vous en émotion? Ouh, la tension, les hostilités pour vous les Verseaux cette semaine, vous êtes tendus, il y a quelque chose qui vous tend, qui vous fait peur ou qui vous déstabilise. Alors au niveau de l'énergie générale, on vous parle ici du printemps. Alors vous allez peut-être préparer cette semaine de manière extrêmement consciencieuse, extrêmement pragmatique, quelque chose, un événement, un voyage, un objectif, un projet qui devrait démarrer au printemps. Dans le domaine professionnel, pardon, ici, oh là 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 là, on voit qu'il y a de la dissimulation, vous pourriez ici bénéficier d'une infortune, bénéficier d'une escroquerie, il y a un coup de malchance là, hein, au niveau du travail, là, les Verseaux, ouvrez l'œil. Alors, pour les personnes qui ont un petit crush dans l'esprit ou qui sont célibataires ici, eh bien, on vous dit que la personne avec laquelle vous partagez les moments, là, actuellement, eh bien, n'est que dans une relation d'amitié avec vous. Et puis, ici, pour les personnes qui sont en couple, cependant, alors là, on a envie de se lancer, de passer à l'action, de tenter des nouvelles choses, peut-être sur le plan charnel et des fantasmes, avec votre partenaire, les Verseaux.
Et puis le message pour vous, c'est la fenêtre, foyer, famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Poisson. Poisson, 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 ah là, ça va beaucoup mieux les poissons. La semaine dernière, c'était pas terrible. Les poissons, l'émotion dominante pour vous, eh bien, c'est la gratitude. Vous remerciez, vous remerciez, vous remerciez, bravo. Ça, c'est une belle attitude à avoir, justement. Alors, ici, au niveau des énergies générales, on vous parle de... Alors, attention, vous avez tendance à vous comparer aux autres, ici, dans le domaine général. Ça peut concerner le travail, la santé, les habitudes, voyez, mais... voilà, essayez de ne pas trop vous comparer. Et alors, on parle d'ego et d'arrogance, on parle vraiment dans l'autre sens. Donc attention à ne pas vouloir... mais soyez dans la gratitude, mais soyez humble aussi, dans l'humilité. Au niveau du travail, ici, on vous parle de discussions, d'échanges verbaux qui vont amener vraiment à une négociation positive. Vous allez bénéficier... vous allez être heureux, en fait, après cette négociation. Vous allez en ressortir du bonheur, les poissons, bravo. Dans le domaine sentimental ici, alors pour les personnes qui ont un petit crush ou qui sont célibataires, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui vous dit à quel point vous êtes attirant ou attirante. En tout cas, il y a une attirance avec une personne qui pourrait ici se concrétiser. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien ici, alors l'un ou l'autre va vous... voilà, il y a une sortie, une fête, une invitation ici, amoureuse. Et vous allez tout faire pour vous sentir le plus attractive possible, pour rayonner, pour être le plus séduisant et la plus séduisante possible pour ce rendez-vous. Et puis ici, le message pour vous, c'est la balance qui nous parle de justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Eh bien voilà les amis, ça y est, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura soutenu surtout. Et ça va vous permettre, j'espère, d'anticiper des situations tout au long de votre semaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là, fidèles au programme, de plus en plus nombreux aussi hein, sur la chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir. On est parti, allez, au tout début, on devait être... je sais pas, moi, on était très peu, hein, on était 5-6 à regarder. Là, aujourd'hui, on est dans les 200-250 personnes toutes les semaines. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Et merci à vous tous aussi, les auditeurs de cette belle antenne. En tout cas, moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous, comme chaque semaine, lundi, qui arrive lundi prochain. Donc, belle semaine à toutes et à tous. Gros bisous.